Hey, bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est un petit peu moins, quand même un petit peu moins exotique que les capsules que je suis habitué de vous faire. Ben, je suis dans un spot où c'est relativement facile de se rendre. En fait, je me demande si j'ai pas marché 50 pas depuis ma voiture pour me rendre ici. Donc, c'est quand même assez facile. J'étais vraiment pas sûr de vous faire une petite capsule ici parce que bon, c'est pas si on veut dans le cadre, si on veut, normal de mon travail. Mais en fait, c'est qu'ici j'ai accès à une plateforme qui est installée où il y a un nid en fait de balbuzards pêcheurs. Et c'est tellement un bel oiseau, ça fait 2 jours que je suis ici. En fait, c'est ma 3e journée. Et ben, les séquences sont tellement belles. En fait, on a 3 bébés dans le nid qui sont quand même assez grands, qui commencent à se dégourdir pas mal. On a les parents qui ramènent, surtout, je pense, le mâle qui ramène la bouffe, la mère qui le donne aux bébés. Donc, c'est tellement beau que je pouvais pas vraiment pas vous montrer ça. Donc, voilà, c'est un petit peu... je ferai pas des kilomètres et des kilomètres dans la forêt. Je promènerai pas avec les lourds équipements. Mais quand même, je vais faire des belles photographies. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est parti, on s'en va voir les balbuzards pêcheurs. Donc comme je vous disais, il y a 3 bébés dans le nid. Il y a un des adultes qui est plus loin. Donc souvent, bon, ça fait 2 jours que je suis ici, donc je commence à connaître un peu leur comportement. Et donc il attend en fait que l'autre adulte, qui est probablement le mâle, qui amène la nourriture. Donc quand l'autre arrive, souvent l'autre vient atterrir dans le nid. Et ensuite le deuxième adulte vient arriver. Donc c'est vraiment les séquences lorsqu'ils atterrissent au nid qui sont super intéressantes. Parce que bon, en dehors de ça, l'environnement ici n'est pas super intéressant. Peut-être en vol, ça peut être assez intéressant. Mais bon. Et ce matin, bon, il annonçait quelques nuages et finalement, c'est complètement couvert. Donc, j'ai pas eu des lumières qui étaient exceptionnelles pendant que j'étais ici. Le soir, on a une lumière qui est très directionnelle. C'est pas mal, mais c'est pas top non plus. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est la lumière du matin. On a des beaux contre-jours. La dernière fois que je suis venu, il y a 2 ans, j'avais vraiment une belle lumière à contre-jour, donc c'est un peu ce que je voulais venir chercher. Et là, ben, finalement, en 3 jours, j'aurais pas eu cette lumière-là, mais c'est pas grave. J'ai fait des belles séquences, des belles images. C'est vraiment un bel oiseau. C'est vraiment un oiseau qui est... la texture dans son plumage. Puis c'est beau de voir les jeunes aussi qui ont les yeux différents, de différentes couleurs que les adultes. C'est vraiment, mais vraiment cool. C'est vraiment un bonheur de pouvoir les observer, puis de pouvoir les observer si près. Et ce qui est super intéressant, c'est que la plateforme est vraiment à la hauteur des yeux, donc on ne shoot pas en regardant vraiment très haut dans le ciel. Donc ça, c'est vraiment... Il n'y a aucun endroit que je connais où on peut faire ce type de photographie-là, sauf ici. Donc voilà, donc c'est vraiment bien. Donc là, ce que j'ai fait, là, présentement, il n'y a vraiment pas beaucoup de luminosité. Donc là, je filme principalement des séquences. Donc j'en profite souvent comme ça quand il n'y a pas vraiment assez de lumière. Puis là, de toute manière, ben, il y a les bébés qui sont au nid, mais il n'y a pas d'adulte qui vient rapporter de poissons encore ce matin. Donc là, j'en profite de faire des séquences vidéo. Donc j'ai le D500 présentement avec le 600 mm. Donc je fais quelques séquences vidéo. Donc ça me donne quand même déjà 900 mm. Et j'ai mon 1.4 dans la poche pour aller chercher vraiment des shots très très tight au niveau de la vidéo. Bon, après ça, pour la photo, c'est plus...
C'est un peu plus compliqué pour la photo parce que quand j'ai un beau cadrage pour photographier dans le nid, mais là, à ce moment-là, faut pas qu'il y ait l'adulte qui arrive au vol parce que je vais tout couper avec les ailes ouvertes. Donc, faut que je sois quand même vigilant là-dessus. Donc, souvent, je me dépêche, je fais quelques shots avec le 1.4 et le 600 mm. Et ensuite, ben, j'enlève le 1.4 puis là, je vais mettre... pour prendre les photos, je vais surtout utiliser le D4S avec une bonne rafale. Ça permet d'avoir tout le mouvement de l'atterrissage. Et ben, c'est le fun d'avoir un des adultes qui arrive avec un poisson ou même s'il fait juste atterrir dans le nid, ça peut être super intéressant. Donc voilà, donc je vais continuer mes séquences vidéo puis quand on va commencer à avoir assez de lumière pour que j'aie une vitesse et une sensibilité qui est intéressante, voilà, à ce moment-là, je vais commencer à faire des photos. Mais comme je disais, présentement, ben là, il y a l'adulte qui est perché un peu plus loin puis il n'y a pas signe de notre autre adulte, donc ça commence assez tranquille, mais c'est parfait parce que présentement on a une lumière qui est très douce, c'est une lumière qui est facile à gérer parce que les balbuzards ont beaucoup de blanc aussi sur la tête et puis c'est quand même assez foncé pour les autres parties de son corps, donc avec une lumière douce c'est quand même assez facile à gérer, donc quand même des bons côtés à cette lumière douce, un petit peu moins dramatique, mais quand même. Donc là, on a des adultes qui viennent d'arriver, probablement le mâle qui est arrivé avec un poisson. Donc, j'étais en train de filmer. J'étais à 600 mm avec mon 1.4 plus le crop DX. Ça me fait 1300 mm. C'est vraiment super tight. Donc, le premier adulte est arrivé. Et ensuite, ben, le deuxième est arrivé avec le poisson. Donc, j'ai continué ma séquence vidéo. De toute manière, je savais qu'il n'y avait rien à faire, même si je voulais passer en mode photo. Puis, il n'y a pas énormément de lumière présentement. Donc, la mère est en train de déchiqueter le poisson. Puis, on a nos trois autres bébés, les trois bébés qui sont en train de manger. Et donc, je pense que là, ben, la lumière... Ça va commencer à être intéressant dans pas long. Fait que je vais aller chercher mon D4S pour le monter. Puis là, ben, je vais être prêt pour la prochaine séquence. C'est sûr que ça prend quand même quelques dizaines de minutes avant que l'autre adulte va revenir. Et donc là, présentement, il est perché un peu plus loin. Je ne sais pas si vous les entendez, ça se crie un après l'autre. La femelle est probablement en train de dire au mâle, « Allez, va chercher la nourriture, va faire l'épicerie. » Et donc, bon, le mâle vient de partir. Donc, nice. Okay, c'est super beau. Donc, je vais m'installer et je vais être prêt ensuite à commencer les photos. La pêche semble vraiment bonne ce matin. Le mâle, en dedans de 5 minutes environ, il a ramené déjà 2 poissons. Donc, je pense que ça va être assez bon pour... Hier soir, je pense que j'ai eu un ou deux atterrissages au maximum durant toute la soirée. Donc, mais ce matin, avec la lumière douce comme ça, je pense que ça devrait être bon. Si je peux en avoir quand même quelques-uns, ça serait pas mal cool. Donc là, présentement, le soleil est sorti un peu au travers des nuages en arrière, ce qui me donne quand même un éclairage en arrière à gauche qui est quand même assez intéressant. Ça serait bien là, que j'aille une... petit atterrissage, une petite arrivée avec un poisson là, avec cette lumière-là, je pense que ça pourrait être super cool. Mais donc la lumière quand même assez intéressante. C'est un petit peu mieux que quand c'était... Parce que quand c'est très nuageux, c'est vraiment... La lumière est plus omnidirectionnelle, elle arrive d'un peu partout. C'est plus difficile d'avoir un rendu un peu plus dramatique dans ce temps-là. Et donc là, avec un peu de directivité comme ça, je sais pas si c'est ça le bon mot, mais bon... Avec la lumière, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Ça fait environ 1 heure que le père est venu porter son dernier poisson, donc normalement ça devrait pas trop prendre trop de temps, donc je lisais un peu sur, euh,
sur le balbuzard. Ça disait qu'il pêchait environ un poisson aux 12 minutes en moyenne. Donc, c'est assez impressionnant. Mais bon, là, les petits s'exercent, ils font, ils battent un peu les ailes, font un caca en dehors du nid. Donc, il y a quand même de quoi s'occuper, mais c'est sûr que c'est pas pareil que de faire une arrivée en vol ou quelques photos en vol. Mais bon, on prend ce qui passe. Même de quoi d'assez inusité, il y a un héron vert qui vient juste de passer en arrière. Donc, bon, j'ai pas fait quelques belles photos, j'ai pris une photo vol juste pour vérifier que c'était bien ça, puis prendre un petit souvenir, mais c'est quand même assez nice. Donc là, ben, ça fait déjà un bon moment, ça fait peut-être une heure que le mâle est pas revenu avec un poisson, mais ben, là j'attends, ça devrait pas trop tarder quand même avant qu'il revienne. Il y a une autre couple qui est un peu plus loin, mais en tout cas il y en a au moins deux autres balbuzards, puis là il y en a un qui est en train de manger sur une perche là-bas au loin. Et bon, je sais pas si c'est le fait que ceux-là soient là qui bloquent ou bon, on sait pas ce qui se passe. Habituellement, c'est des bons plongeurs, des bons pêcheurs. Ils peuvent prendre jusqu'à, je pense, un poisson ou 12 minutes ou quelque chose comme ça là, en moyenne. Donc, et voilà. Mais j'ai hâte de voir, mais il reste juste à attendre. Prendre un petit peu de patience, puis. Je pense que les moments intéressants vont venir. Donc là, présentement, il y a de l'action, mais pas proche de où je suis. Donc, en fait, c'est ça, la femelle, en fait, est repartie parce que, bon, le mâle avait l'air à chamailler avec un autre balbuzard. Donc, probablement qu'il y a des petites guerres de territoire ici. Et là, la femelle est partie pour aller aider le mâle. Donc c'est pour ça justement que la pêche est peut-être moins bonne ce matin. C'est parce qu'il y a l'air d'avoir des petits conflits territoriaux dans le coin. Donc là, la mère, ben c'est ça, quand elle a vu les deux, elle est revenue dans le nid probablement pour protéger les bébés. Et ensuite, elle a décollé. Et donc, elle a décollé comme un peu dos à moi. Donc c'était pas top, mais bon, c'est quand même très beau à voir. C'est un animal qui est super gracieux quand il s'envole. Donc c'est vraiment bien. Donc ce matin, ça a l'air d'être un petit peu plus tranquille quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous quand même mettre quelques images que j'ai prises au courant de mes dernières journées, quelques séquences vidéo également supplémentaires que j'ai pu faire là, dans les dernières journées pour vous montrer un peu justement qu'est-ce que j'ai pu capter dans mes dernières séances photo. Thank you.
J'espère que vous avez aimé cette capsule vidéo. Si c'est le cas, un petit thumbs up, un petit commentaire, un petit partage, toujours apprécié. Allez voir mon Patreon. Et en fait, je donne un atelier ici l'été prochain. Donc, si ça vous intéresse, allez voir mon site web www.safarifotonaturequebec.com. Et ben, nous autres, on se dit à la prochaine. Ciao!